Je coordonne le réseau de la Quadrature du Cercle, un réseau de programmateurs cinéma dans le secteur non marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a une petite cinquantaine de membres qui sont répartis aussi bien dans les communes bruxelloises que dans toutes les provinces wallonnes. Les trois quarts des membres sont issus des centres culturels, des cinémas de proximité, comme on les appelle, qui sont constitués en ASBL, par exemple les variétés à Warem, puis des ASBL qui sont actifs dans l'éducation aux médias ou qui ont une activité cinéma, qui n'ont pas nécessairement de salle aussi. Ce sont vraiment les membres qui font partie du réseau, qui sont complètement autonomes et indépendants et qui proposent dans leur salle tel ou tel film de leur choix. Donc moi, mon rôle, c'est surtout de faire la communication envers les membres, sur les nouveaux membres qui ne connaissent peut-être pas l'opération. Le prochain événement, c'est un projet qu'on a mis en place avec les membres du réseau qui s'appelle Cinémôme et qui permet, durant toute la fin de l'année, donc tout le mois de décembre, de proposer du film jeune public dans les salles du réseau. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose autour de ça. Donc mettre en avant toute cette richesse et toute cette diversité de films qui sont proposés aux jeunes publics. C'est complémentaire en fait aux grandes sorties de films des grands studios. L'idée c'est d'accompagner aussi ces séances de toutes sortes d'ateliers, d'animations, de rencontres, d'échanges aussi autour des techniques d'animation, autour des thématiques qui sont abordées dans le film. Parce que c'est aussi, et surtout pour ça je pense que les membres rejoignent le réseau, c'est d'avoir accès à des formations, des journées de réflexion avec des intervenants extérieurs ou pas, avec des ressources internes, des formations sur le cinéma belge, des formations sur le langage cinématographique, plein de choses de ce style. Au sein de la Quadrature, il y a un échange d'idées et de coups de cœur, etc., qui peut vraiment enrichir chacun. Je pense que les centres culturels, ce sont encore un des rares lieux d'expression et de réflexion qui est donné librement aux habitants. C'est dans ce cadre-là que le cinéma prend sa place dans les centres culturels. C'est de permettre à la population de venir à travers un film discuter, échanger et se rencontrer et de créer ce lien social et cette cohésion sociale là où il vit en fait.